Eh bien bonjour, c'est moi qui... Oh, j'ai failli me casser la gueule. C'est moi qui entame la vidéo du confessionnal. Confessionnal, putain. Il n'y a encore personne. Ok, il est 18h actuellement, donc voilà. Ça commencera bientôt. Et oui. Donc du coup, bah voilà, c'est moi qui entame. On verra si la soirée se passe bien. On verra si il ne trouve pas trop vite. Je croise les doigts. S'il trouve au premier indice, je suis fichue. Mais bon, bah j'ai envie que ce soit drôle quand même. En tout cas, on va passer une très bonne soirée. Ils sont à retrouver. Et si vous les retrouvez, vous les apportez à ma mère, à Stéphane ou à moi. Et donc vous venez avec cet objet, vous dites j'ai trouvé cet objet. La femme que tout le monde a vue. Bah là donc soit vous vous battez, soit le premier qui la prend c'est. Non, ça n'a pas commencé. Non mais il peut partager parce qu'il est gentil, il faut la recacher. Ok donc je suis le premier à passer. Ah ouais, ok c'est bon, ça rec. Cinéma. Ça rec. Ok c'est bon, rec. On est dans le confus. C'est bon. Ok. Ok ok. Donc Bah va dans la caméra non. Ouais. Tiens, meuf trop bête. Mais j'ai pas trop de place en fait. Ouais c'est vrai, attends. Ok. J'ai pas trop d'imperfections donc ça va, je pense que je vais me rapprocher de la caméra. Ok. Alors. Hello, bah du coup je viens d'être tuée. Anyway, ça j'aime pas mes cheveux. Bon c'est pas net mais t'inquiète, on est là. Quoi? Moi je pensais que t'allais mourir là. Attends. J'y vais. Ok, alors. Il est où? Ah. Ok. C'est pas... Ah oui. C'est pas un indice. Mais c'est juste un sourire. Voilà. Comment ça s'appelle moi? Alors c'est pas bien pour moi, mais du coup bah oui, il est fort un peu quand même. Oui, c'est vrai. Mais non, c'est bien. Lui du coup, il est immortel. Ah. Oui, c'est fermé aussi, c'est le truc qui est fermé justement. Flacon de poids d'eau. Ce produit est un objet. Vas-y, passe. Ah, mes yeux. Pardon. Attends, éclaire. Oh, oui, il y a des mots dedans. En fait, il était trop loin dans son mensonge. Du coup, au début, je savais des gens. Maintenant, je sais personne. Et du coup, là, je viens d'arriver pour dire ça et tout. J'étais trop content. Et j'ai trouvé un indice. J'ai trouvé un petit salamèche. Bref, voilà. Oh. C'est aussi un indice. Et du coup, j'ai appris que le meurtrier était sur une photo à l'étage. J'ai aussi appris, grâce à Neyma, que le meurtrier avait un piercing. Je pense que Gio est safe, mais c'est pas sûr. Mm-hmm. Mais après, lui aussi, il avait un indice. Il est bien confessionnel. Oui, c'est marqué fermé. Ok. Il est bizarre. Oui. On va pas parler trop fort. On va pas passer par quatre chemins. En gros, on pense que c'est Seb. Ouais. Parce qu'en gros, Seb. Et alors, le faux indice, c'est qu'il est pas gay, du coup. Ouais. Mais il a une coque rhinoshield. Je pense que le tueur c'est Emily. Ou alors juste, il n'y a pas de tueur en fait. Et que tout est organisé par toi, Elfie. Explication de ce qui vient de se passer, parce que c'est très marrant. En gros, du coup, j'ai le pouvoir d'immortalité. Je sais pas parler. Du coup, Gio, c'est le voleur. Et ce qui vient de se passer, c'est que j'ai dit à Emily, du coup, que j'ai le pouvoir d'immortalité. Emily est partie dire à Gio qui a piqué mon pouvoir pour aller confronter Seb de manière safe pendant 30 minutes. J'ai trouvé, c'est bon. Ah ouais, c'était où? Ah, c'est le truc d'échec. Putain, je suis un indice.
C'est la fête. C'est la réunion, c'est un billet pour la bonne. C'est un billet pour la bonne. C'est bon, on s'en fout du coup. Juste qu'il y a dit Annie aussi. Genre, oui, on va pas s'allier avec le tueur. Non, 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 c'est ce que j'ai dit. Merci, c'est totalement vrai. Elle a rallié Marius. Il y a une de vous deux qui me connaît aussi parce qu'on a un Pokémon en indice. Non, mais rien à voir. Moi je pense que elle a rallié Marius à sa cause. Mais il y a aucun indice sur moi. Dites un indice. Il y a tous les indices sur toi, Emily. Ah bon? Ah, y'a tout qui veut rester ici ou quoi là-bas? Oui, mais j'aimerais. Le ou les meurtriers viennent de la Réunion, donc forcément Seb, d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que ça peut être. Mais tu sais que j'hésite à ce qu'il y ait aussi Rosalou, parce ouais. qu'elle le défend de fou. Quand Marius il trouve des trucs à dire contre lui, ou alors que Émilie fait pareil, elle trouve toujours un truc pour le pardonner. Ok. Donc y'a moyen que ce soit Rosalou ou Naïma. Ou alors que. Je pense pas qu'il y en ait trois. S'il y en a trois, c'est les trois là, mais je pense que c'est okay. Seb. Et Rosalou. Quand on est rentré, le tonton il a dit il n'y a plus de gâteau. Donc Sébastien il a mangé le gâteau en plus du lapin. Mais qu'est-ce que tu racontes? Voilà. Okay, Crazy cool. Color en plus. Oui, mais c'est nul parce que ça tient pas. Enfin, ouais, bah. Moi je le tiens comme ça. Voilà. Ah, c'est. Ok. Alors, en fait, je viens de faire gaslight pendant toute la game, d'accord? Émilie. En fait, je pense que c'est Émilie. Après en avoir discuté avec de nombreuses personnes, que c'est Seb, le tueur. Je crois que je suis d'accord sur ce point. Ok. Je pense que Seb, genre en fait, il y a beaucoup d'indices qui mènent sur lui du coup. Donc lui c'est sûr. Après est-ce que... Est-ce qu'il y en a quelqu'un d'autre? Ouais. Peut y avoir... Ça a pas l'air d'être Émilie, elle a l'air très motivée à le trouver. Hein. À le ou là où les trouver, tu vois. Moi, je n'avais pas trop conscience, tu vois. Ok, bon. Les récents indices laissent à penser que ce sont les Yankee Candles, les feux meurtriers, les kidnappeurs de lapins. C'est terrible, j'avais vraiment foi en Seb. C'est emmerdant. Ah ouais, pas de soucis, allez, bye. Allez, bye, bye. Ok, bon, allez, on reprend juste tout le monde en été, en fait. Moi, je l'utilise, je l'ai pas encore utilisé. Ouais, c'est... En fait, on a débloqué la chambre. La truc d'Elfi, la petite cabane bizarre. Ouais. Ah ouais. Et j'ai trouvé ça dedans. Et du coup, je vais l'utiliser. J'ai fait un rêve qui se passait dans cette maison. Ok, je vais donc faire foutre en fait. Ah merde, j'ai éteint. Il y a plus que toi là. Attends, oui. Par contre, c'est un indice collectif. Hein. Il y a une tapette là, c'est quoi? C'est un indice ça. Bon bah en gros c'est Seb quoi. Oui. On est là, hein. Et peut-être Kevin. Mais je pense que là il m'aurait tué. Ouais, je pense aussi. Et il aime pas trop les super-héros donc. Non, j'aime pas du tout. Voilà. On est pas donc, à ça. Donc voilà, quoi. Stay positive. Je lis le mieux. It's okay not to be okay. Alors ça va mieux. Bon, il reste vraiment 3 minutes. Jim va mourir. C'est super ça. Le tueur commence maintenant à faire son carnage. Du coup, je me planque ici. Je pense que c'est Gio et Émilie. En définitif. Et bah, si c'est pas ça, bah, Seb, c'est plus mon ami. Tout simplement, je le dis. Oui, fort. C'est cru. Il m'a gaslighté. Mais comme Jaja, il m'a retourné le cerveau. Donc. Ils sont agaçants. Tu me dis. Bah, je sais pas. Si tu tiens non, bah c'est pas grave, t'inquiète, ça te pénalise pas. Oh, je suis perdue parce que là il y a trop de choses. Oui, je sais. Bon ben en fait si c'est Seb, je suis déçue. C'est moi le tueur. Ah, j'ai un couteau. Je l'ai pas beaucoup utilisé. J'ai tellement fui, je peux tellement pas aller boire. Il y a Seb dans la cuisine, il est tout seul. Il va 100% me tuer une deuxième fois. Et s'il me tue une deuxième fois, c'est finito, je pourrais pas parler. T'as trouvé. Bah oui, t'as la tienne, mais c'est ça, il est trop bon en vrai. C'est ce que je veux dire. Il a tué les deux personnes. Et en gros, c'est Seb qui t'a tué? Oui.
c'est Seb, okay. Mais il m'a tué ici. C'est pour ça que c'est okay. Pas une pièce safe. Ok, je savais pas. Genre, je suis rentrée pour trouver un indice. Mm-hmm. Et genre, du coup, j'ai laissé ouvert et tout. Je crois, et puis il a fermé, il m'a tué, il s'est barré. Alors, c'est qui? C'est trop mignon. C'est ça. Mais qui c'est qui a récupéré?